Salut les potes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Treasure Hunter Simulator. Et la dernière fois, on n'a pas réussi à trouver le casque ni le fusil, mais je crois que j'ai compris pourquoi. Parce que je vais aller tout de suite dans la Treasure Hub. S'il veut bien que j'y aille. Oui, s'il te plaît. Tu me lances la Treasure Hub. Voilà. Regardez ça, quand je retourne de mes emails d'emploi, j'ai ici une proposition de mon pote Archeo qui me demande de chercher des trésors. Voilà, il aimerait bien augmenter le nombre de découvertes archéologiques réalisées dans la région du lac. Donc il serait reconnaissant si on lui envoyait tout objet ayant une quelconque valeur historique. Donc on va accepter bien sûr, et j'espère que c'est là que nous allons pouvoir aller chercher ce fameux casque. On a le nouveau détecteur, on a le Franky, donc là, toutes les conditions sont réunies normalement pour que l'on fasse du bon boulot. Allez, c'est parti, on y va en courant, parce qu'on est pressé, on veut faire des découvertes de ouf direct. Allez, d'accord, en même temps, il faudrait peut-être que je regarde où est-ce que je suis censé aller. Oh, oui, c'est vrai, j'ai deux zones. Donc, on va aller sur la zone du haut direct. Ok, allez, on se souvient qu'on a un chemin, un super raccourci pour aller au village du haut, qui est celui-ci. C'est ce qu'on a vu au tout début de cette série. Allez, trace Dédé. Allez, vas-y, mon Dédé. Allez. Bon, vous entendez, il y a plein de trouvailles à faire, hein, mais c'est pas le but pour le moment. C'est pas ce qu'on veut dans l'immédiat. On veut aller chercher le super casque. Oh, il est bloqué, mon petit copain. Allez, c'est parti. Oh, ça, qu'est-ce que ça va vite. Je suis époustouflé par la vitesse de cette course folle à travers la map. Ça sonne de partout, hein. Depuis tout à l'heure, quand même, vous noterez que je ne m'arrête pas pour creuser. Non, parce que ce que je veux, moi. Ah ! Mais tout à l'heure, ça sonnait pas ici. Hein. Tout à l'heure, ça sonnait pas ici. Et je crois qu'on est en plein dans la zone. La zone historique. Oh ! Allez ! What is the problem? Pourquoi je le trouve pas, gros? Ah, ça y est! La cible qui ne sonnait pas tout à l'heure et qui sonne maintenant en plein dans la zone de recherche historique. Et j'espère que c'est le casque, les copains. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas le casque. C'est quoi ce truc? Réglette en métal, une charnière et un petit trou dans lequel on pouvait être versé. Oh, c'est pour fabriquer les balles de mousquet. Oh, c'est génial, c'est un moule à balles. Trop bien. Waouh, j'ai jamais trouvé un truc comme ça, moi, en vrai, dans la détec. Ouais, pas mal. Ouais, ça, c'est une chouette découverte. Sympa. Reste d'anciens objets. Bah déjà, bon, c'est pas mal. On a déjà fait une découverte qui ne sonnait pas tout à l'heure. Bon, écoutez, voilà, d'accord. J'ai rien qui sonne ici, moi. C'est ouf, hein. Donc on a 5 belles choses à trouver, apparemment. Alors, allons-y. À la découverte des 5 belles choses qui pourraient intéresser les archéos. Donc on va retourner évidemment dans une zone historique parce que c'est là où on aura le plus de chances de faire une découverte intéressante. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est ce que l'on veut, c'est faire des beaux objets, c'est faire du lourd. Oh, c'est envoyer du steak pour que les archéos nous respectent. Ah, c'est pas sur une zone qui ne sonnait pas tout à l'heure. Hein. Oh! Allez, trouvaille. Allez, bim! Hop!
Comment ça déchire? Casque médiéval en acier. Ouah, bah là... Hey gros, tu vas pas me dire qui... Médiocre? Mais c'est des ouf. Il est médiéval. Il va pas sortir chromé. Gros. Deux objets anciens collectés. Donc c'est pas forcément sur la zone historique, hein. Vous avez vu ça? Quoique, je sais pas, on y était peut-être. On y était peut-être. On a trouvé un casque médiéval et ça tout à l'heure on y était passé mais on l'avait pas trouvé. Ouais, allez. Dreaming. En fait c'est cool parce que ça veut dire que ça veut dire qu'on fait de plus en plus de découvertes et surtout des découvertes sympathiques. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un petit marteau, ok. Vieux marteau ou ce qu'il en reste. Allez, dis-moi qu'il est vraiment très ancien et que ça rentre dans la catégorie des objets. Marteau de charpentier, on dirait, hein. De couvreur. Oui, bah tiens, travail du bois, tu vois. Bon, médiocre, 10 boules. Ouais, parce que dans ce jeu, clairement, hein, on ne s'intéresse que à la valeur des objets. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est acheter du détecteur, c'est dépenser de la thune, c'est gagner du prestige. Le restant, s'en fout un petit peu, c'est pas vraiment nos considérations dans ce jeu. Ouais. Oh oui, 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 oui! Allez! Allez, allez! Une douille encore, hein? Ouais, on dirait bien que c'est une douille. C'est une douille. Ça. Je dirais. C'est quoi? C'est soit du 45. Ah bah non, je suis bête, c'est marqué juste là, 9 mm. 9 mm parabellum. Bah ouais. Comme quoi, hein, c'est pas la peine de faire le... De faire le malin. Ouais, alors je vais te l'identifier, la cible. Ouais, c'est marqué, gros, en fait. Tu vois? Ouais, voilà, 9 mm parabellum, d'accord. Classique, hein, classique. Classique, j'ai envie de dire classique. Oh, mais alors ça voudrait dire que si je sors des zones historiques, je vais trouver que du déchet. Peut-être. Peut-être, hein. On va voir si c'est encore un déchet, je retourne sur la zone historique, parce que il s'agirait pas de passer son temps à creuser sur des clous. Des balles, casque de ouf. Mais non, mais en fait c'est trop bien. Mais vas-y, mais je suis trop content. Oh là là. Ah ouais, parce que ce que vous voyez pas, vous, derrière, c'est que là je suis en train de sauter sur mon siège. Allez, vas-y, identifie ça, Dédé. Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est beau, hein. Oh, c'est beau. 130 boules. Là, on commence à faire des découvertes qui valent de la thune, hein, par contre. Alors, que t'as achevé? Ah, donc on a peut-être plein de quêtes, en fait, à réaliser avant de... avant d'avoir le bonheur de trouver... de trouver les fameux trésors tant attendus. Ah, ou peut-être que je suis nul, hein. C'est tout, hein. Oui, allez, nouvelle découverte ici. Oh, c'est une pièce de monnaie? Non, c'est une tirette. Oh, vous avez vu? Il te la met bien. Il te la met bien pour que tu y crois. Bon, ça sonne encore. Ouais, on y va. Allez. Parce qu'on est là pour trouver des trucs, hein. Oh! C'est là, c'est parti pour creuser, c'est parti pour découvrir ce merveilleux trésor! Oh, encore une douille.
encore une bouille de 9 mm. En bon état, celle-ci. Oh oui, elle est en bon état. On va pouvoir la garder dans la collection. Ça, c'est cool. Encore ? Ouh, dis donc, il y a de la découverte dans ce secteur, hein ? Il y a de la trouvaille. Hop là ! Voilà, attention, quelle merveille se cache sous ce bip ! Ce bip extraordinaire et merveilleux. Oh, un clou. Un clou. Oui, voilà, de la camelote inutile, bien sûr. Tout à fait. Oh, allez, on va voir ici. Clairement une trouvaille là dans le secteur, on est passé dessus, hop là, la voilà. Oh, qu'est-ce donc, des freins de vélo? Oh, une vieille menotte en fer, dis donc. Alors, identifions ça. Il ne s'agissait pas de menottes, mais plutôt de fer de pied d'Europe. Waouh, c'était pour les prisonniers esclaves. D'accord. Donc il y aurait eu des prisonniers esclaves dans ce secteur. J'aime bien cette petite zone-là. Moi, ça me paraît propice à la faire de belles découvertes ici. Mais on dirait que non. On dirait que non. Bon, vous savez quoi? Je vais retourner au bureau. Puisque on a réalisé le boulot qu'on était venu faire. Hop. On a 199 de cash et 3700 de prestige. Hein. Oui, on n'est toujours pas au niveau 3 de prestige. Hein. Donc dans les emails... Ah, trouvez le casque à pointe. Regardez, ça y est. Ok, donc effectivement, c'est bien ça, il faut débloquer des missions. Un des chercheurs nous ont trouvé une vieille lettre décrivant un casque à pointe qu'elle cachait, quelque part dans les environs. Après un examen attentif, nous pensons avoir trouvé une photo. Ok, bon, allez, hop, retournons sur la carte. Donc c'est au lac Bavarois. Oh, seulement 21%. De compléter. Ok, c'est dans ce petit épisode que l'on trouve le casque à pointe. Enfin, allez, c'est parti. On a découvert tout le casque à pointe, donc on va pas trop se poser de questions. Ah bah, attendez, je vais quand même regarder la carte, on sait jamais, mais... oui, enfin, il nous l'indique pas, ce serait trop drôle. Par contre, il nous indique les deux... zones historiques. Donc on va aller sur les zones historiques, bien sûr. On va commencer tout de suite par la zone du haut... Parce que c'est comme ça. Bon bah tiens, on va se faire un petit son au passage. Ou pas, hein. C'est ce délire. Hein. Oh là là, l'autre il est vraiment. Il a vraiment du mal. Hein. Pas capable de tourner autour des arbres. Oh, la blague. Trouvaille. Ouh, allez. On creuse. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est encore une tirette en alu. Oh là là, c'est pas possible ça. Ok, bon. Je pense que pour terminer les zones efficacement, il va falloir un détecteur qui discrimine vachement bien. Ce qui nous évitera de creuser sans arrêt pour des cochonneries. Et peut-être qu'on gagnera plus de trucs. Enfin, j'en sais rien. J'extrapole complètement, mais c'est aussi pour meubler, parce que sinon vous allez vous en oublier pendant que je cours jusqu'au village du haut, parce que vous avez vu, c'est pas très palpitant. C'est la seule chose qui est palpitante dans ce jeu, c'est quand on fait des découvertes, hein, donc évidemment, n'hésitez pas à creuser un maximum. Hop là, va pas te coincer, Dédé. Bon, nous, on s'en fout, nous, on a une mission, c'est trouver le casque à pointe. Allez. C'est qu'on aura mis du temps quand même, hein.
à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, mais maintenant on le sait, il faut débloquer l'émission, il faut faire l'émission, sans quoi, eh bien, on tourne en rond pour rien. Allez. C'est ici, je crois, hein, ma première zone historique. Bon, bah, ok. Tiens, tu vois, là ça sonne alors que tout à l'heure ça sonnait pas. Je me dis... Oh. 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 Qu'est-ce qu'on va trouver comme trésor? Attention, c'est parti. Zbardi. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce serait-il pas notre casque à pointe, ça? Est-ce que ça serait pas notre casque à pointe? C'est lui! Yes! Ça y est! Oh, les potes, on l'a enfin trouvé. Allez, on le nettoie, dis-moi qui... Oh, il est beau, il est magnifique, il est superbe. Regardez ça. Impeccable. Oh, il est comme neuf. Il est tout neuf, mon copain. Le casque du seigneur, il est tout neuf. État, bonne, bah ouais, valeur inestimable. Ah, bah écoute, je suis bien content. J'ai pas lu l'historique, hein, on s'en fout. Nous, hop, on retourne au bureau parce qu'on a débloqué cette quête et qu'on est trop content. Voilà, et qu'en plus, ça va être la fin de cet épisode puisque, bien sûr, on a trouvé le premier trésor. Oh, allez. Nous avons des nouveaux emplois. Oh, c'est tout pour la vallée slovaque. Ok. Comment ça se fait que sur le premier, on trouve pas ce fusil Springfield là? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Bon, peu importe, écoute, peut-être que voilà, peut-être qu'à un moment il nous dira il faut faire ci, il faut faire ça. En tout cas, je suis trop content, on a trouvé notre premier casque à pointe, notre premier vrai trésor sur Treasure Hunter Simulator. Et c'est super cool parce que ça va donner du bon dans les relations avec les archéologues que l'on est en train de développer dans ce simulateur. Et c'est là-dessus que je vais vous inviter à lâcher un pouce bleu, bien sûr, à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout ça. Vous trouverez la nébuleuse, tout ça pour elle très facilement. Moi, je vous quitte. Portez-vous bien, les amis. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci de m'avoir suivi. Ciao !